Et j'arrive dans un instant et me voilà! Comment vous allez, mes petits loulous? Mes petits loulounous! Je suis contente de vous retrouver, hein. Je suis toujours contente de vous retrouver, mais. Alors, oui, j'ai un nouveau pack de jeux. Parce que Tammy me l'a offert. Voilà. Non, mais voilà. Non, mais voilà. Voilà. Merci, Maouf, pour le follow! Donc, j'ai les Sims 4 vivre ensemble maintenant. Merci, ma Tam Tam, encore une fois. Je l'ai un peu disputé, mais pas trop quand même, hein, parce que ça reste un cadeau super mignon. Mais bon, voilà, faut pas qu'elle fasse une habitude. Mais du coup, voilà, j'ai un nouveau pack de jeux et bah, je vais potentiellement le découvrir un petit peu plus aujourd'hui. Merci, Beluga Army, coucou, comment vas-tu? Je regardais la rediff du live sur les meubles et je viens de découvrir les habits Bobo Chic. J'ai l'impression de suivre une série. Où en est-il niveau meubles? Je sais pas si cette rediff se finit bien. La rediff se finit pas bien. Mais on a avancé un petit peu niveau meubles avec le Cax quand même. Merci pour ton resub. Premier test stream que je regarde. Bah, bienvenue, Amixras. Du coup, alors, c'est vous qui pouvez me faire la baraque pour la petite. Jeanne Ginette va partir de chez elle. Mais j'ai réfléchi, de toute façon, c'est mieux qu'elle parte de chez elle jeune adulte, en fait. Parce qu'en fait, quand t'es ado, tu peux quand même avoir tes parents qui t'apprennent des bails. Et je me dis, bon, pour essayer d'avoir le maximum de traits possible, autant qu'elle parte quand elle sera vraiment juste jeune adulte. Donc je me dis, autant jouer aujourd'hui jusqu'à, genre, son anniversaire. Et comme ça, mardi, quand on rejoue, bim, elle déménage dans votre baraque. Mais j'ai quand même envie d'aller voir un petit peu ce que vous avez fait. J'ai pas regardé. Par le déj, je me suis pas spoil. Merci, mon Titi! Tiens, en parlant de recettes, bonjour par ici, gloire à Jeanne Ginette et à toi aussi, Thibou, t'es quand même la queen ici. Merci, mon bouchon. Thibou-du-boudou. Voyons voir un petit peu. Est-ce qu'il y a des maisons pour Jeanne Ginette? Ah, vous pouvez dire merci, hein, ouais, j'avoue. Oui, t'inquiète, Mimi, on a une grande terrasse dans le prochain appart. Ah, tant mieux, Loupiote. La solitaire, près de l'asphalte. La demeure parfaite. Ah, c'est immense, ça! Attends, maison prix bas. Alors, en vrai, je pense qu'il y a ça pour le moment. Alors, techniquement, vous avez jusqu'à mardi, hein. Donc, ouais, je pense. Alors, attends, je regarde juste insérer du contenu personnalisé. Je sais que des fois, vous le faites. Mais, coucou, ma Wettel. Ah, évidemment, faut le temps que ça charge. C'est toujours vachement long quand je suis en stream. Ils sont pas faits pour. Alors, donc nous avons près de l'asphalte. Ah oui, c'est très simple. En même temps, hé. Ah non, il fallait que ça coûte 3 000, hein. Il fallait que ça coûte 3 000. Parce que le terrain coûte 2 000. Ah, c'est trop. Vous êtes une sorcière fleuriste, future vétérinaire et vous avez peu de moyens. Cette maison est faite pour vous. Vos animaux auront toute la place qu'il leur faut dans cet immense jardin. Ne loupez pas l'occasion. Ah, c'est génial. C'est très très mime. Mais c'est trop cher! Mais c'est trop cher! C'est 5 000 terrains compris. Est-ce que tout le monde a fait la bêtise ou pas? Ah non, là on est en dessous des 3 000. Là on est en dessous. Ah oui. Vache! Ah oui, alors on est à 2977 Simflouz. Donc il y a vraiment. On a 30 balles de bourbouffée quoi. C'est vraiment. On a un lit. Et on a des plantes. Et franchement, ça a son charme. Hein. Des traits de terrain fantastiques sol, zone de dressage très malin et brise vivifiante. Loueur de maison depuis 1958, je propose cette maison à madame pour être en parfaite harmonie avec la nature. Je suis tout à fait dans les règles de l'immobilier, tous, et pas du tout un arnaqueur. Je suis quelqu'un de confiance, tous, payez bien votre loyer. C'est génial! J'adore! Oh, elle est incroyable celle-là. Elle est incroyable. C'est très simple, hein, mais elle doit commencer comme son père et apprendre la dure réalité de la vie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ça va être quelque chose, hein. La demeure parfaite, ça je pense c'est trop gros. Oui, 30 000 balles, oui. Là c'est pour JG, oui, non mais je comprends. Je comprends, mais maison bas prix, 3 500, c'est trop cher! Moi il me fallait moins de 3 000! Moi il me fallait moins de 3 000! Et attends, il y en avait une dernière. Ah non, il reste deux. Il reste deux jeunes Ginettes. Merci Daphné, coucou Thibou, bon live à toi et à tous les choupchoups. Je profite de ton live pour fêter mes 5 mois d'abonnement tout en sirotant un bon chocolat chaud. Merci ma toute belle et bon chocolat à toi. 2940, il nous reste un peu plus de pognon. Entrée de baraque, lieu d'études, très malin. Zone de reproduction, très malin. Alors celle-là, les traits sont très malins. Les traits sont très malins. La maison est très mignonne. Et on a un mobilier assez coquet. On a un mobilier assez coquet. Attention. Permettez-moi de vous conter l'histoire de cette merveilleuse maison. Certaines rumeurs racontent que de nombreuses sorcières et de nombreux sorciers ont commencé leur vie étudiante ici, fuyant les idéologies intolérantes de leurs proches.
choisissant ainsi une modeste maison reculée pour vivre en harmonie avec la nature et les animaux. En effet, on dit que ces bonnes ondes favoriseraient le bien-être animal et leur naissance. Bien évidemment, ce ne sont que des rumeurs. Mais vous êtes des génies. Mais vous êtes des génies. Ah, j'adore. Ah, mais j'adore. C'est incroyable. Je remets... Attends, c'est fou. Coucou, c'est hâte de partager ce moment avec vous. Merci, Iris. Ah là là, il en reste plus qu'une. 6 000. Oh non, mais c'est beaucoup trop. J'avoue que j'ai pas réussi à tenir le budget de 3 000 simflous, j'ai fait au plus bas possible. Oui, non, mais c'est honorable. C'est honorable. Carrément une voiture. Oui, non, c'est honorable, c'est honorable. Mais c'est trop cher. C'est trop cher. Donc pour le moment, ça se joue. Niveau budget, entre... Attends, je vais mettre un like. Je vais mettre un like pour la maison de la sorcière, là. Entre celle-ci et la solitaire, je crois. Ouais. Les deux sont au coude à coude. Et on verra d'ici mardi s'il y en a des nouvelles. Tchou tchou. Madame Tam, merci pour tes mites. Du coup, voilà, moi, je pense que le combat va être dur. Mais après, bon, c'est pas fini. Hein. Du coup, aujourd'hui, on va la laisser un peu grandir, ma cocotte. Comme ça, elle pourra emménager mardi. Tchou tchou pour sauver le tchou de Tam. Eh, hey, Titi, je pense pas, comme tu t'es resub, je crois pas que ça va marcher. Mais c'est gentil. Du coup, repartons chez les JG. C'est les JG, c'est tous des JG. Hein. Le chouchou est proche, mais vous, en fait, quand vous donnez une fois, ça compte pas si vous recomptez une deuxième, vous redonnez une deuxième fois. Allez, donc là, l'idéal, c'est de les faire grandir, hein, de les faire pousser un petit peu, comme ça, ils passeront jeunes adultes la prochaine fois. Les GG, c'est les meilleurs. Ah bah, les GG, quoi. Les GG, c'est le top du top, hein. Ouais, la maison de la sorcière, j'avoue, elle a son charme. Hein. Alors oui, mes gamins sont à l'école. Enfin, mes gamins, c'est plus vraiment des gamins, mais... Tu sais, les succès des enfants sont alignés. Ça fait un peu enterrement. Et Gigi, qu'est-ce que tu deviens, toi, du coup? Attends, il a plus de boulot, Coco, en fait. C'est quoi, ça? Ah oui, comme j'ai sorti ensemble, maintenant, il y a des groupes. Ah, bah, peut-être que mes ados auront une vie sociale. Merci Gali qui offre un sub à la commu, c'est Scorpio Momo qui le récupère et tu fais venir le train. Oh, c'est trop mignon. Oui, tout à fait Sardine, c'est jusqu'à demain. Pareil que Tam n'a pas eu son Disney. Bah, elle l'a pas demandé. Faut me demander Tam Tam. Ah, le téléphone sonne. Aujourd'hui, Joseph Gaston a été surpris en train de chercher les réponses sur son téléphone pendant une interro. Allez hop. Bon, il faut que je lui fasse bosser la responsabilité, mais bon, il va vite le monter. Faut que je paye mes factures. J'ai plus d'électricité! On m'a coupé l'électricité! Mais wesh! Ah, mais lui, il peut postuler. Oui, mais non, mais ça va, il va pas postuler à l'université, Coco. Tu peux faire un groupe avec toute la famille, comme ça, même séparés, ils pourront se voir souvent. Oui, mais est-ce que j'ai vraiment envie qu'ils se voient souvent? Jojo. Oh là là, le temps de merde! C'est dingue, il n'y a peut-être pas forcément envie de voir. Enfin, tu vois, c'est un peu tous des solitaires, quoi. C'est, je suis pas sûr que. T'as faim? Bah, mange, mon grand, mange. Et du coup, il a plus de boulot, Coco. Ça va pas, ça? Ça va pas du tout. Désolée, j'espère une belle dynamique familiale. Merci pour le follow, Lady Diamond! Mince, t'es plus au courant, c'est un avant-goût pour Jeanne Ginette. Ouais, en plus il pleut. Ouais, non, mais là. C'est vraiment la dèche, là. Hein. Il est où le chat? Ah, mais le chat il est triste un peu. Merci, Krakimi, pour ton raid! Comment ça va, ma belle? Vous faisiez quoi de beau? Je suis sûre que c'était un truc artistique over stylé. Over stylé. Merci, ma belle. Bienvenue à vous tous. On est sur une famille de Sims moches. Avec des enfants plus moches que leur père. Et le but c'est d'être millionnaire. Et en même temps. De s'émanciper un peu de cette vie familiale. Ça, c'est compliqué. Merci beaucoup pour les follow, Chloé. Et je crois que tu as un numéro de téléphone en pseudo. Je ferai attention. Et effectivement, c'était live création Fimo. C'était sûr. Connaissant le talent. Merci, Erika. J'ai bientôt accouché, vu que ça fait déjà 9 mois. Sinon, vous êtes tous incroyables. Merci, ma belle. C'est pas un jugement de notre part. Ils sont vraiment moches. Ah bah oui. C'est sûr que... Non, mais attends. Par contre, mon coco, son but, c'est d'être millionnaire à lui, quand même, hein. Donc, Ariel. Non.
Laisse-moi tranquille. Ariel, je sais pas pourquoi elle nous spam. Elle est un peu. Elle force un peu Ariel, hein. Du coup, les gosses. Il faudrait qu'ils aient des amis. J'aimerais bien qu'ils péchotent aussi. Parce qu'elle, elle a déjà des super notes. En même temps, qu'ils péchotent. Tiens, fais-toi des amis. Toi aussi, tiens. On va essayer de leur faire avoir des relations sociales sympas. Quand même. Tu vois, ça serait bien. Et lui, bah, faut que je lui retrouve un boulot. Ou alors, remarque, il est vieux, on peut dire qu'il est à la retraite, non? Il n'y a pas la retraite dans les Sims. Je crois pas, hein. Je crois pas que ça existe. Ah oui, il a un tableau inspiré de la solitude. Ah oui, c'est. C'est triste. Vends-moi ça. On a besoin de pognon. C'est quoi, tu vas peindre? Là, tu sais, t'es sur ta fin de vie. Là, t'essaies de marquer l'histoire. Il y a une côté fierté un peu. On pourrait pécho Ariel en vieux. Non, mais il est vieux là, hein. Là, il est vieux, hein. Il est bientôt mort, en fait. Après, je pourrais en soi lui donner une potion pour le rajeunir, hein, un peu. Hein. Genre de. Tu vois, quand il sera vraiment vieux, de le refaire passer au début de la retraite, par exemple. C'est pas. Si, mais comme t'as été viré, t'as plus de boulot. Pour la retraite, c'est sur telle quand t'as le boulot. Ah. Non, c'est 3000 simflouzes la maison, Sardine. Le terrain coûte 2000. Donc c'est 5000 en tout. On peut prendre sa retraite? Attends. Ah non, je peux pas. Mais sans doute parce que. Rechercher de nouveaux camarades de dortoir. Oh, il y a trop de trucs que je connais pas. Appelez SOS Tristesse. Oh! Comment un camarade de dortoir, ça m'intrigue de ouf. Oh, Joseph a rencontré un pote, c'est bien. Elle a rencontré personne, c'est moins bien. C'est moins foufou, hein. Si tu utilises la potion de rajeunissement, ça annule le défi 1 million. De toute façon, il va pas avoir 1 million avant de crever, hein. Ça passera à ses enfants l'objectif ou pas? Merci pour le train, vous êtes trop mignon. C'est ça le truc, c'est que si ça va, si ça passe par ses enfants. C'est vrai que le psy a volé le PC. Allez, vends-moi ça. Pense à ta fin de vie là. Ah non, est-ce que tu peux pas réinviter ton ex? Parce qu'elle à chaque fois je peux pas l'inviter. Ah, ça y est, elle est dispo, Nancy! Vas-y, attends, annule la toile, tu feras après. Yeah! Nancy arrive, il va retrouver son ex. Merveilleux. Mais. Meilleure chose! En vrai. Voilà, elle est là, très bien. Ah oui, elle est en mauvaise relation avec tout le monde, elle. Devenir meilleurs amis. Oh, illuminer la journée. Vas-y, GG. Tu vas la retrouver. Vous allez vieillir ensemble. Mais sans trop vous mettre ensemble non plus. C'est. Ah, Joseph Gaston a repris. Ah, c'est bien. Et Jeanne Ginette s'est fait une pote aussi. Très bien. Attends, par contre, pourquoi rien ne marche là dans ce que j'ai noté? Ça va pas du tout cette histoire. Alors attends. Lui, il est crevé. Mais alors, priorité, tu fais tes devoirs. D'accord? Et Jeanne Ginette, idem. Il y a des priorités dans la vie, ça en fait partie. Hein. Lui, pourquoi il cause pas là? Pourquoi il est bloqué comme un. Technique de drague osée. Voilà, c'est ça qu'on veut! Bah non, il bouge pas. Je crois qu'il est bugué. Attends. GG est bugué. Qu'est-ce que je fais? Bah non, il n'est pas en train de peindre, ça a planté. Bon, attends, je sauvegarde et j'y retourne. Des fois, ça suffit. Merci pour le follow, Miss Anonymous. Je peux même pas le bouger, le pauvre.
T'imagines une mort comme ça? C'est triste, hein? Ah, appuie sur majuscule et clique sur GG. Je regarde vos raccourcis. Majuscule. Ça fait rien. Ça fait rien. Menu des bugs, je sais jamais comment on fait. Non mais je quitte, je reviens, c'est pareil. Bon, je perds du temps, je pense, mais... c'est moi. C'est que là, il est fatigué, hein, en fait. Il a dû avoir une grosse journée. Reste appuyé, tu fais réinitialiser. Reste appuyé sur quoi? J'ai pas les raccourcis, hein. Il est vieux aussi. Bah oui, c'est ça, il est fatigué. Ah. Oula, 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 oula. Est-ce que tu peux aller discuter avec elle maintenant? Ah, ok, il s'est remis à peindre. Ils ont échangé de lit, les deux. Tu veux pas arrêter de peindre? Ok, là c'est bon, il m'écoute. Lui, il est die. Sauf qu'il est sur le lit de sa sœur. Ils mettent tous tellement peu. Ok, ok, ça se passe très bien. Vous voulez pas aller ailleurs? Vraiment, vous êtes dans la chambre des petits? Ah non, mais pas toi, pas toi! Je parlais de lui. Oh, ils m'aident pas. Enthousiaste-toi avec la peinture. Voilà, ça c'est une bonne idée. Se plaindre de problèmes. Vas-y, confie-toi, confie-toi. C'est ton, tu vois, c'est ton bâton de vieillesse un peu Gigi là. En plus, elle est encore plus jeune que toi maintenant. Et toi, t'as vieilli, mais qu'elle vit avec toi, elle, non? C'est long les devoirs là, hein. Eh, hey, les ados là, mes ados brillants, 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 mon cucu, hein. C'est pas ouf, hein, tout ça. Amour, attends. Compliment déprimant. Ah, mais parce qu'il est très triste, bah oui. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire, Gigi. Ah, mais c'est tant que ça, Nancy. On a une relation, genre, ça dépasse tout, quoi. Regarde, ça va repartir, ça va repartir. Ou pas, mais essayez de flirter. Vas-y, ça c'est un peu pathétique, c'est, mais... ça va bien se passer. Demandez conseil. Elle attend que... c'est un truc de ouf, comment elle est amoureuse de lui. Elle a du mérite, hein. Parce que c'est quand même offrir un cadeau romantique. Tiens, des cartes de ton beau-fils. Du fils que j'ai eu avec la femme d'un autre. Coucou, Alzi, comment tu vas? Bravo, Joseph Gaston. Elle est pas contente. Oui, en même temps, c'est pas très heureux comme cadeau, j'avoue. Attends, Joseph Gaston, il a fini ses... Ouah, il est dans un état, le petit. Enfin, le grand petit. Il a faim, rien ne va. Rien ne va pour Joseph Gaston, là. Il faudrait qu'il se distrait un peu, Coco. Bah, il va aller geeker, évidemment. Évidemment, c'est Joseph Gaston, j'ai envie de dire. Donc, hop. Allez, fais-moi tout ça. Ah, va pas parler avec elle, là, wesh. Laisse les grands ensemble. Voilà, compliment de sa tenue. Merci, Anouk Dub, pour ton prime. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Yeah, jeune Ginette, elle a fini les devoirs. Putain, ils sont dans un état. Oh là là, mes gamins, quoi. Il faut remonter le divertissement de ouf, là. Hein. Joseph Gaston ressemble à mon voisin. Dur, dur. Anouk tout court. Ok, je vais essayer de retenir. Ça va, vous êtes tranquille, là? Voilà, révèle-lui un secret bien enfoui. En fait, j'ai de l'argent. Loki Bégonia. Oh, mon chat a grandi! Chatoun a grandi! Merveilleux! On aime bien la chatounette.
Amour est bien un moyen là, toujours pas? Ah, Loki est obsédé par un truc. Ok, bon bah écoute, c'est bien. Il a la raison. Hein. Tu veux pas te remonter? Eh, franchement, il est dur à changer les idées. Hein. Partage des photos, voilà, voilà. Vis un peu des bails. Il se déprime vite en fait, ce couillon là. Voilà, un petit compliment, voilà. Sentiment envers Nancy. Oh, plus proche grâce à des souvenirs heureux. Oh, c'est pipounet tout ça. Allez, va faire pipi, toi. Elle, elle en est où? Eh, ça va, ça va, ça va. Faut qu'elle continue à se divertir un poil. Alors, attends, ils en sont où au niveau de leurs traits? Bon, bah, responsabilité à bas. Putain, empathie, elle est bien. Résolution de conflit, ça monte. En vrai, en résolution de conflit, je peux peut-être la pimper aussi, hein. Ok, et lui? Oh, ça a bien remonté, hein. Il est juste moins bon en empathie, mais c'est pas trop un scoop non plus. C'est pas... Qui est surpris, je veux dire, hein, c'est... Aloupia, tu peux pas faire les deux? Oh, elle peut monter sur le lit! Ah non, elle va en dessous. J'ai cru. Allez, JG Junior, elle est un peu en PLS, là. Hein. Vas-y, arrête de te divertir, va faire pipi. Est-ce qu'on peut dire qu'il aime le fitness? Joseph Gaston? Non, non, faut être crédible dans le personnage. Joseph Gaston, c'est un geekos, il va pas aimer le fitness, quoi. Il a cassé le truc. Oh, va dormir, de toute façon, t'es éclaté. Toi, tiens, JG, regarde, répare-moi ça, tu sais quoi? Voilà, c'est très bien, ça va te remonter le moral de bricoler un peu. Et Poupette, faut qu'elle bouffe. Il faut qu'elle bouffe. Ah bah oui, Amélia, je constate. Merci Loan pour le follow. Et Anouk, c'est trop mignon. Et merci Justine pour le follow, je t'avais pas vu. Je crois. Je me perds dans les pseudos. Allez, on bouffe. C'est bien de t'occuper de ton chat aussi un moment, quand même. Je vais refaire la litière, par exemple. Bravo, JG. En plus, il avait besoin de pièces de trucs comme ça, c'est bien. Oh, poupounette. Cérémonie à propos du sauce à les griffes. Faut que je les avance un peu. Famille séduisante. Ah bah. Tu m'étonnes. J'aime Ginette, à qui la compétence fitness. Mais juste parce qu'elle a marché vite. Ah bah il faut quand même pas grand chose hein. Il est un peu dégueulasse là. Donc attends, va prendre une douche. Va prendre des restes et va dormir. C'est bon, JG. Sa route est tracée. Vas-y, on l'embrasse. On l'engueule, on l'embrasse. Puis on alterne. On travaille le fessier pour son futur. Mais oui. Et on va le sermonner aussi à propos de ça. Il faut pas réveiller les Sims le matin. Mais putain, si elle l'écoute... Qu'elle m'explique comment elle fait, hein, parce que moi mes chats ils écoutent pas. Hein. Ouais, la école, ça va, il est que 9h en même temps. Si elle va jouer avec. Loki Bégonia est une chatte folâtre. Elle adore courir partout et peut être surexcitée. Ah bah écoute, c'est bien. T'as fini de manger toi? Pas encore. Hop. Je te suis depuis si longtemps. Ah ouais, depuis quand Emma? Bonjour Hunter. C'est moi ou elle a des pieds immenses en plus? Tu t'amuses là vraiment? Oh, elle est... En vrai, à part la fatigue, elle est en forme. Hein. C'est mignon. Faut peut-être nettoyer un peu tout ça un moment quand même. Hein. Bon, le chat est content. Oh, on est joueur. Oh, c'est mignon. On a envie de pisser dans un arbre. Ok. Faire une bataille de bombes à eau et raconter une blague. Ah oui, ça fait beaucoup de plans. Hein. Allez, débarrasse-moi tout ça. Ah, il y a des assiettes partout. On vit avec des gros dégueulasses quand même. Hein. Bon, là, elle est crevée. Là, faut aller dormir. Là, c'est... Il est l'heure.
beau dodo, voilà. Oh, regarde! La petite, elle dort avec Gigé! Pisser dans un arbre, Titi! Depuis 5 ans, Momo! Ah oui, ça fait longtemps. Elle est juste épuisée. Non, mais c'est pas méchant. C'est pas méchant d'être épuisée non plus. Par rapport à d'autres problèmes que tu peux avoir, tu vois. C'est pas grave. Tiens, tu vas me vider ça, toi. Ah, mais non, mais t'as pas fini de dormir. Bah, tu sais quoi, voilà. Tu manges. Pas d'accord, bah mange, écoute. Mais fous pas le feu, s'il te plaît. Il a acquis la compétence cuisine. Ah oui, c'est vraiment des flèches. Il a servi pour tout le monde, c'est sympa. J'en attendais pas tant. Alors attends, il a quoi comme objectif, lui? Trouver 10 objets à collectionner. Mais alors là, je vois pas. Déraciner la plante. Je vois pas où je suis censée trouver des trucs. Jouer sous la pluie. Ouais, non, on va éviter. Creuser. Tiens, va creuser. Sous la pluie, c'est bien. Il a trouvé. Roche calcaire. Ah, c'est bien, une roche. C'est quoi ça? Étudier. Vas-y, va étudier la pierre. Tu l'étudies là? Il s'est fait électrocuter! Mais non! Vas-y, rentre chez toi! Mais quel couillon! Oh, il me désespère! Il s'est pris la foudre, quoi! Bon, on va prendre une douche. Il me dépite. Il me dépite tous. Tous des couillons, hein! S'il meurt, je rigole. Ah bah non, l'héritier! L'héritier, ce serait quand même très cul. Bon, écoute, vu que t'es réveillé, tu sais quoi? Attends. Non. Il a acquis la compétence danse. Eh, bah tu m'en diras tant. Faire des recherches sur des techniques de drague. Ça, je le vois tout à fait faire ça. Comment on fait pour coucher avec une fille? S'entraîner à programmer, voilà, parce qu'après on peut apprendre des trucs, mais faut peut-être pas déconner non plus. Hein. C'est pas. Elle se réveille quand elle se réveille, elle bouffe. Et lui quand il se réveille, bah va falloir qu'il bouffe aussi. Donc voilà. On lui demande d'aller regarder un caillou où il meurt. Ah oui, bah, je m'attendais pas à un tel. Il a acquis la compétence programmation. Mais c'est très bien! C'est très bien, mon petit Gigi Junior. C'est un bon Gigi Junior, ça. Ah bah, quand tu seras réveillé, tu remettras à manger aussi, hein. Jeune Ginette sera la seule héritière, comme ça, elle partira peut-être avec plus de 5 000. Qu'est-ce que tu fous, là, la ptiote? Ah, il est réveillé, bravo! Mais attends, il n'avait pas appris, déjà eu des points en programmation? Ah non, c'était sa sister, je crois. C'était sa sister. Il est toujours triste. Oh, ça va passer, ça va passer. Il est enjôleur. Quoi? En programmant? Il veut trouver un cristal. Et demander à quelqu'un d'avoir une relation sérieuse. Oh, gars, t'es mal parti quand même, hein. Oh, regarde, il y a des cailloux. C'est bien ça. Vas-y, après, tu iras creuser les cailloux. T'es mal à l'aise. Pourquoi t'es mal à l'aise? Parce que t'as faim? T'as faim, c'est normal, ça va venir. Où elle va? Ah! Tiens, nettoie-moi ça. Augmente ta responsabilité, c'est bien. T'en as déjà une, t'en as déjà une. Elle, pour le coup, faut qu'elle soit amie avec des chiens et chats et qu'elle corrige des comportements, alors. Tu vas commencer à faire apprendre la magie à la fifille. Mais je sais pas trop comment faire. Ah, ils ont cours dans 1 heure. Mais ça va beaucoup trop vite. Oh! Il est dans un état, au secours! Bah oui, forcément, il a codé toute la nuit en même temps. Je sais pas à quoi je m'attendais. C'est quand même un peu des couillons, hein. Et où il est, mon chat? Ok! Qu'est-ce que t'allais foutre là-bas, genre?
Il est dans le jardin derrière. Ok, bah écoute, pas de problème. Pourquoi t'es tendu, toi? On dirait qu'il est constipé. Parce qu'il a pas de travail. Ah, bah tu sais quoi, vas-y, vas-y, tu vas trouver un travail. Ça va t'occuper un peu. Ça veut dire quoi s'enregistrer au ministère du Travail? On va voir. Je sais pas ce que ça fait. Artiste peintre, sinon c'est bien, hein. Ah non, ça marche pas. Bon, bah, trouve un emploi alors. Elle est tendue. Pourquoi elle est tendue? Parce qu'elle n'a pas admiré assez de biens. Et bah. Et bah. Qu'est-ce que tu peux admirer? Ah, JG. Qu'est-ce qu'on lui fait à JG pour finir sa carrière? Critique d'art, comme à ses jeunes époques? En vrai? Tellement de taf. Mais il repart pas là-dessus. Hein. En vrai, critique d'art, repartir où il était au début. Grave, Titi. Allez. Tu veux faire pipi? Bah vas-y. Oui. Non, c'est pas elle qui doit faire pipi, je suis bête, c'est lui. Il va pisser dans le buisson! Mais non! JG! Ce retour aux sources. En vrai, ça va, il a réussi à. Bon, il a pas dormi, mais il a mangé et fait pipi. Joseph Gaston. Et ils ont fait leur devoir, hein. C'est quand même essentiel, un peu. Ah, le téléphone, le téléphone. Que dirais-tu de rejoindre le groupe Les Modèles? Mais bien sûr! Wow, attends, attends. Bienvenue dans le groupe Les Modèles. C'est un plaisir de voir que tu as décidé de nous rejoindre. Le groupe va se réunir et nous aimerions que tu te présentes aux membres. La réunion est à cet endroit, au bain de Rille. Nous voulons profiter de la piscine. Tu devrais nous y rejoindre. Pourras-tu venir? Oui. Jeanne Ginette est à l'école. Sécher l'école fait avoir de mauvaises notes. Jeanne Ginette doit-elle sécher l'école? Oui, mais là, elle est influencée. Là, c'est son début, tu vois, genre, elle est ado, d'habitude, tout le monde, enfin, personne la calcule. Et là, elle a le groupe des populaires qui l'invite pour être pote avec. Je veux dire, oui, elle y va, elle bossera plus, mais... On se rebelle avec les potes, mais oui! Et là, du coup, elle va découvrir peut-être une nouvelle vie. Ou alors, c'est des connasses qui vont se foutre d'elle. En vrai, comme en plus Jeanne Ginette, je compte qu'elle soit une sorcière, elle va pouvoir rajeunir, elle. Je pense. Si elle vieillit trop, tu vois. Ce sera pas trop chelou. Jeanne Ginette, elle a tous les espoirs de la famille, hein. Oh là là! Oh là là! C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est sa tenue, ça? Je me rappelais pas que je... Elle est plus assez responsable. Oui, non, mais ça va. Les membres du groupe ont été prévenus, ils sont en chemin. C'est mon groupe? Bonjour! Bonjour! Comment? Qu'est-ce qu'on fait? Oh là, oh là, attends, j'ai jamais vu ça moi encore, hein. Alors attends. Réunion active, les modèles, d'accord. Il y a Siobhan qui est une jeune adulte, Luna qui est une ado, Sofia qui est une ado, Sergio qui est un jeune adulte, et nous! Et nous, qui sommes une ado. En positif, c'est quoi? Votre signe gagnerait des points de groupe pour exercer des activités de groupe au cours d'une réunion. Ok. Il faut que je sois méchante avec les rebelles, que je boive du café et que j'essaye des tenues. Et il n'y a pas de malus. Ok. Être méchante avec les rebelles, boire du café et essayer des tenues. Parce que je suis une jeune fille intégrée. Je suis intégrée. Ils sont où d'ailleurs? Essayer des tenues, moi je veux bien, mais qu'est-ce qu'on fout là? Elle a l'air. Pourquoi elle est tendue? Parce qu'elle va changer? Tu vas essayer des tenues? Qu'est-ce qu'on fait là? On va boire du café. C'est bien de boire du café. Oh là là, il y a du monde. Oh, il y a le dress-dress. Elle se change. Oh là là, oh là là, oh là là. Elle va. Oh! Comment je sais si je suis populaire? Pour le moment, j'ai été intégrée au groupe des populaires. Non mais fais pas la gueule! Pourquoi elle est très tendue? Au bord de la crise. Parce qu'elle a des boutons. Mais oui, elle stresse forcément. Parce qu'elle vient de s'intégrer. Oh, c'est normal, mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Discuter avec Sophia. Voilà, c'est bien, discute. Des centres d'intérêt, c'est bien ça.
Parler du groupe. Parler du groupe. Se renseigner sur comment faire crac crac. Alors non, peut-être pas. Peut-être pas tout de suite. Elle change 50 fois l'autre, hein. Comment s'est passée ta journée? Hein? T'es mon ami, hein? Elle change 50 fois l'autre. C'est quoi, c'est de nous faire défiler, là? Oh, c'est superbe. Waouh. Siobhan améliore constamment le groupe des modèles. Ah bah oui. Ouais, garde la tenue, c'est super beau. T'es trop belle, Luna. T'es waouh. C'est sublime. Waouh. C'est trop bien. T'es magnifique. Fais connaissance avec elle parce qu'elle est très populaire. Attends, je vais essayer une tenue moi aussi. Moi aussi. Faites ensemble. Vas-y, vas-y. On peut le faire. Les modèles est un groupe fantastique et Slovan Fire est un chef visionnaire. Ah oui, d'accord. Oui, elle est très... Je vais me changer, je vais me changer. T'as vu, je... Reste avec moi, c'est mes copines. C'est mes copines. Reste avec moi. Ouais. Oh là là, oui, ça va être compliqué. Hein. C'est. Attends. Ça, c'est pas une tenue que je lui ai faite, ça. Hein. C'est... Je crois qu'elle l'a trouvée toute seule. Hein. C'est. Elle s'est rajoutée un piercing. Je suis pas sûre. Jeanne Ginette. Je suis pas sûre. Essaye plutôt habiller ensemble. Ça c'est bien, ça, habiller ensemble. Ça va être plus sympa, je pense. Hein, y a l'idée habiller ensemble. C'est bien. Je gagne des points de groupe, je gagne des points de groupe, hein. Regarde, regarde, j'en ai pris, hein. Est-ce que je peux devenir amie, genre... très stressée. Mais tu m'étonnes, elle est tellement stressée, bichette. Oh, c'est moche. Reste pas là-dedans, hein. Elle se fout de ma gueule, là, non? Je crois qu'elle se fout de ma gueule, hein. On essaie une autre, ouais. Frimer avec une tenue. Oh, pas mal! C'est bien ça! On la garde! Mais non! Ah oui, bah elle a remis ce truc de base, ok. Où elle va? Mais non, c'est bon, stop! Bah ça fait des points quand même, hein. Non, non, on se retire pas du groupe. On vient d'être intégré. On va prendre un café. On va se boire un café. Sur place, on va se prendre un macchiato. Ça fait très... un mocha. Macchiato, c'est bien. Ça fait très branché, macchiato, non? Moi, je prends un macchiato. Pourquoi elle pleure? Parce qu'elle est très tendue. Mais c'est sa première journée avec ses copines. Forcément, elle est tendue. Forcément, tu stresses avec ça. C'est logique. C'est normal, c'est normal. Elle va se prendre un macchiato, ça va faire du bien. Ça va lui faire du bien, un petit macchiato. C'est très bien comme ça. Elle se prend un selfie. D'où t'es devenue prétentieuse, wesh? C'est bon, t'as assez monopolisé, là. Ça y va, hein. Un macchiato, c'est un café avec une pointe de lait. C'est parfait, macchiato. Non mais en fait on est hyper imbus de nous-mêmes. Ça suffit maintenant. Voilà, frime. Mais voilà, très bien. Allons faire un macchiato, hein, un petit macchiato. Sushi. Pourquoi? Oui, ça va te faire du bien un macchiato. Ils sont où les gars? Il y avait un gars avec nous qui était pas mal. Le gars. Ah, ils sont dehors. Ils sont à la piscine. Ils sont où, nos potos? Il est où Sergio? Il était là, Sergio. Mais je le vois plus. Elle nous calcule pas trop, nos copines. Hein. On peut discuter.
Chuchoter à propos du béguin, c'est bien ça, ça va la mettre en confiance. On n'a pas de béguin, mais ça va, tu sais, elle va se croire qu'on est un peu potes comme ça. Je sais pas ce qu'elle a comme démarche. Tu crois que ça la pète là? C'est un peu bizarre comme. Ah, c'est bien les gossips, ça plaît les gossips. Je savais les gossips, ça plaît. Je sais pas où ils sont non plus. On n'a jamais allé à cet endroit, je savais même pas qu'il y avait une piscine. Non, on taquine pas, hein, on taquine pas. Hein. Mais je vais vraiment être une gamine, c'est-à-dire que moi, vraiment, là, les gossips, ça va être ma vie. Hein. Elle s'intègre pas mal là, c'est pas mal là. T'es sur les nouveaux terrains de vivre ensemble, tu vois. Sushi. C'est pas faux, Titi. Si on se baignait, ça peut être une bonne idée. Se renseigner sur comment. Non, mais là, on se fout de notre gueule. Hein. J'irais bien me baigner, ouais. Attends. Hop. Nager et discuter ici, voilà. C'est bien ça comme plan. Comme ça, elle nous laisse pas. Je crois que je suis trop haut par contre. Voilà. Jeune Ginette a appris que Sophia avait les traits de caractère suivants. Joyeuse. Ah bah tu m'envoies ravie. C'est moi ça? Non. Je suis pas déjà dans l'eau. Non, pas du tout. C'est pas du tout moi ça. Où on est? Ah, les copines. Mais on est que trois, on était cinq. Ils sont où nos partenaires là? On n'était pas cinq quand on est arrivé? Boum! Où tu vas? Maillot de bain. Ah oui, ça peut. Oui, ça peut aider. Ça... Moi, il y avait nager ensemble. Ouais aussi. Bah là, c'est pour discuter aussi. Mais attends, faut qu'elle change d'abord. Mais qu'est-ce que tu fous? Mais qu'est-ce qu'elle a marché comme ça? Elle est pas bien, hein? Allez, dans l'eau! Mais pourquoi elle va pas se baigner? Je lui ai dit de se baigner, elle se baigne pas! Coucou, comment vas-tu, Thibou? Comment allez-vous, les choup-choup et modo? Eh, un an! Merci, Scarlett! C'est très joli, mais c'est pas du tout ce que je t'ai demandé! Tiens, frime avec une application. Mais arrête de le changer! Mais elle est super superficielle en fait! Faire les... Ouais, non, attends. Normalement, attends. Si je la fais, elle est près de l'eau. Normalement, elle peut changer d'office, non? Il n'y a pas besoin de la changer. Attends. Si je lui dis, allez ici ensemble. Voilà. Laisse la pète, là, voilà. L'école est finie. Ah oui. C'est bien, Joseph Gaston. C'est... Voilà. Est-ce que tu peux aller ici? Oui, elle y va, c'est juste qu'elle a eu la flemme en fait. C'est quoi cette tenue? Allez, allez, toute nager. Je crois que c'est la première fois qu'elle va dans l'eau, mais. Allez, on va nager. Voilà, moi je verrai plus. Discuter. Non, on peut pas. Il y avait des trucs discuter tout à l'heure. Moi, il n'y a plus. Mais bon, en même temps, elles sont en train de discuter là. Hein. Elle a quand même intégré le groupe de l'école missionnaire, c'est vrai. Oh, il y a le petit! Wow, wow, on se fait attaquer là, pourquoi il y a autant de gens? On peut pas aller ici, nager ici ensemble, voilà, là on est trop près du bordel. Il y a le petit qu'on avait dans la maison là. Mais revenez mes copines! Ah ça y est, reviens. Illuminer la journée, ça va être notre pote elle. Peut-être on va renverser la complimenter sincèrement. On va peut-être. Elle sent mieux, alors regarde comme elle est contente. Très heureuse. Ah oui, donc elle était stressée, mais c'est passé. Se renseigner sur comment faire crac-crac. En vrai, on se sent à l'aise, on se livre un peu. Illuminer la journée. Allez, allez, c'est bien. Éclabousser. Oui, non, elle va pas aimer qu'on lui mouille les cheveux, je pense. On fait partie des meufs populaires! Devenir meneuse à la place de la meneuse? Eh! Eh!
Qui sait? Non, ouais, être meilleur pote avec, tu vois. Se plaindre en disant que la vie était injuste, ça c'est pas mal. Ça fait très ado, ça. Non, le petit rond rouge, c'est un des gamins qu'on avait fait pour la famille avec des enfants de toutes les couleurs. Luna et Sophia, là, du coup, c'est notre bonne. Par contre, Sergio, c'est le seul mec, il est. Ah, mais c'est un jeune adulte, de toute façon, on peut pas le choper. Il y a le baiser. Nancy voulait venir me voir. C'est vrai que Nancy, c'est notre mère, mais non. Où tu vas? Ah, tu plantes Luna. T'es comme ça, toi. Et c'est quoi pour un groupe, du coup? Statut du groupe. Groupe populaire. Oh! Là, on est dans un groupe populaire, là? Groupe infréquentable. D'accord, donc on fait peur. Là, on est là, du coup? Ouah! On est un groupe populaire! Poignée de main du groupe. Ok, donc là, on n'a pas de poignée de main secrète. Donc, on peut en débloquer une. Genre, bam, bam, bam. Taille du groupe, on peut faire ou ça, ou ça. Et bonus sociaux. Pour le moment, on a plus de compétences amicales. Mais on peut, du coup, rajouter des bonus d'autres bails, quoi. Et des bonus de compétences. Ah oui, carrément. Oh, ah oui. Yeah. Ah oui, 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 quand même. Merci Sushi Powder pour ton sub. Et ça c'est quoi? Ambiance de groupe. Oh, eh, on peut mettre enjôleur. Oh j'adore. Oh putain, on fera tellement de partouze. Pardon. Enfin. C'est ce que je veux dire. Non mais c'est pas... Je sais ce que vous pouvez croire. Mais non, je voulais pas vraiment dire ça. Tu vois, c'est pas... voilà, tout de suite. En même temps, j'ai envie de dire... J'ai 300 points. Allez. Allez! Allez! Il faut bien qu'on serve à quelque chose. Bon, on se casse du coup, c'est ça. Il faudrait peut-être qu'on rentre chez nous à un moment. Oh! Ces derniers temps, on envisage de faire un bébé. Mais avec qui, Vanessa? Avec qui tu fais un bébé, Vanessa? Tu viens de divorcer, Vanessa! Bah, décide toi-même, voilà, je m'en mêle pas. C'est trop dur. Et bah, c'est pas mon problème, voilà, c'est pas. On est où, nous? On est allé changer du coup, oui. On est un peu faim. Oh bah oui. Oh bah oui. J'aimerais bien retrouver Sergio. Hein. Mais c'est un adulte. Il faudrait qu'on trouve un ado. Maintenant à l'école, elle va faire que rencontrer des gens. Maintenant, elle va faire que ça. Oh je sais, on avait des objectifs dans la vie. Elle voulait la fac, elle voulait... Mais maintenant, c'est oublié. Maintenant, elle est dans la vie populaire. Tu vois? Ah le café, c'est à la mode. On va reprendre un café. On va reprendre un... On va prendre un mocha. Un mocha, cette fois. Ouais. Et je sais, on s'était dit qu'il y avait des objectifs et tout, mais là, ça y est, c'est une ado comme les autres. Qu'est-ce qui se passe quand tu deviens ado? Je sais pas si vous remarquez au début du collège, on est très studieux, on est en mode, oui, je fais bien mes devoirs, etc. Et puis après, tu commences à rencontrer des potes, tu commences à avoir le feu au cucu, et là, les devoirs, tu t'en bats les couilles! Les objectifs de vie, les rêves de grandeur, ce qui compte, c'est pourquoi Martine, elle aime pas Lucille, hein? Et pourquoi Lucille, elle t'a dit ça à la récréation, hein, parce qu'elle aime pas ta jupe, parce que t'as la même jupe, mais d'une autre couleur. Ah, ça compte. Ça compte. Et puis qui baise avec qui? Hein? Et puis qui on va baiser, nous, surtout? Et qui veut bien nous baiser? Parce que à cette époque-là, on n'a pas une grosse confiance en soi non plus. Ah oui, non, mais il y a des vraies questions, je veux dire. Tu vois, on parle d'importance. On parle de vie, là. On parle de vraisemblance. Ah non, mais c'est... Et là, forcément, là, elle est dans un club, dans le groupe populaire. C'est une popu. C'est horriblement moche, j'adore. C'est une popu. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Oh, arrête avec les vêtements, vraiment, arrête avec les vêtements. Hein. Va peut-être falloir rentrer chez toi, par contre, ma grande. Je te dis ça, je... Non, parce que t'as des devoirs à faire. Je sais que t'es une popu, mais... Non, mais stop avec ce machin. Oh. Se renseigner sur la... Elle est popu, quoi. Non, mais elle va pas essayer de pécho, elle. Non, mais on va rentrer. Tu sais quoi, on va rentrer, en fait. Hein, on va rentrer. Tu as assez changé, là, je pense. Hein. Elle est popu. Mais alors, on est un peu rapproché d'elle, par contre. Sergio. Mais attends, c'était pas Sophia, la chef de groupe? Envoyer un SMS de bonheur. Oh, allez, ça fait niais, mais c'est pas grave, on fait. Grave, tam-tam. Non, c'est une popu.
Elle est popu! C'est quoi cette musique? Où tu es, Jeanne Ginette? Où tu vas? Ah, tu rentres chez toi, du coup. Dans cette tenue, vraiment. Jeanne Ginette! C'est ridicule! Tu vas pas. Tu cours vraiment dans cette tenue. C'est bien de courir, mais. Est-ce qu'elle va faire ses devoirs? Est-ce que seulement ça compte pour elle de faire ses devoirs, quoi? Alors attends, lui, parce que attends, parce que j'ai quand même un autre frère à m'occuper. Oh là là! Mais t'as fait quoi, gars? Mais qu'est-ce qu'il fout depuis tout à l'heure? Il surfe sur le web. Ah bon, putain, mais alors là, mais tu voudrais faire ça exprès? J'aurais pas pu. Je ne sais plus quoi faire. Vous êtes tous. Non, mais c'est pas possible, quelle famille! J'avais des espoirs, hein. J'avais des espoirs, mais là, ça part en couille, là. Hein. Jeanne Ginette, qu'est-ce que tu fous dehors? Mais va faire pipi, Jeanne Ginette. Faire caca en étant paniquée, voilà, mais bien sûr. Prendre une douche avec prudence, voilà. Toi, t'es dans un état, mais laisse tomber ta daronne. C'est pas possible. On n'est pas là 2 heures, hein, parce qu'on est en groupe avec nos popus. Et là, ils font n'importe quoi. Les garçons de cette maison sont d'un niveau d'assistanat scandaleux. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Vas-y, elle va prendre sa douche. Après, elle va bien en vrai. Hein. C'est pas la pire. Hein. Elle va faire ses devoirs quand même, je pense. Je pense que je vais faire ses devoirs. Par contre, lui, il les a pas fait, quoi. Il est trop tendu. Bah oui, il est trop tendu, forcément. Je sais pas ce qu'il a branlé pendant qu'on n'était pas là. Quoi? Ah, tu peux pas atteindre le PC? Qu'est-ce que tu peux pas atteindre le PC? Voilà. Et il a après progressé en gaming. Tu m'étonnes! Cherche des pièces, toi. Qu'est-ce que t'as foutu, toi? Oh, il me fatigue. Débarrasse-moi ça. Enlever la nourriture gâtée, c'est pas mal. Et prends des restes. Merci, ma Gaïa, qui m'offre 5 subs pour Choupi Gamer, Friki Adèle, Potatoes, Esther et Elkania. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. JG, dans quel état tu es? Tu n'es pas du tout bon. Pas du tout bon, cet état. Pas du tout bon. Tu vas aller me prendre des restes aussi après ton pipi. Et puis tu iras dormir. Voilà. Poupette, qui reste ma poupette malgré sa crise d'ado qui va. Je sens qu'on va en prendre un. Non, non, mais. Ça va être quelque chose, hein, la crise d'ado de Jeanne Ginette. Hein. Je sens qu'on va en chier hein, un petit peu. Hein. Mais c'est crédible, c'est crédible. Tu vas me nettoyer la litière aussi et puis tu vas faire tes devoirs parce que c'est pas parce que tu traînes avec les popus hein, que ça y est. JG, me laisse pas traîner ça au milieu de la pièce. Mais tu me fatigues, JG, tu me fatigues. Comment il va lui? Non, lui, oui, c'est bien, t'es distrait, mais je m'en. Tu vois bien que t'as besoin de pisser. Va prendre une douche, tu pues. Je sais que t'es geek, c'est pas une raison pour être un cliché sur pattes. Et après, tu me fais tes devoirs. Parce qu'il faut réussir dans la vie pour être l'héritier de la fortune familiale. Toi, qu'est-ce qu'elle me fait? Qu'est-ce qu'il me fait, JG? JG, il débarrasse. Il débarrasse pas, JG. JG, il pose. JG, c'est un ado. Va dormir, JG. Tu me dépites, JG. Tu travailles demain? Tu devais écrire une chanson. Tu l'as pas fait, JG. C'est quoi, tu vas pas dormir? Voilà ce que je dis. Voilà ce que je te dis, JG. Tu m'écris. Non, pas un mail d'amour, mais JG, enfin. Oh. Fatigue, fatigue. Comédie. Écrire un sketch. Allez. Allez. Et après, tu iras dormir. Tu fais ton travail d'abord. Tes enfants font leurs devoirs avant d'aller se coucher. Tu fais la même chose, hein. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? C'est bien. Non, mais c'est bien. Mais tes devoirs. Qu'est-ce qu'il fout par terre, tes devoirs? Tes devoirs. Oh, c'est pas vrai. Ah, oh, c'est pas vrai. Ah, oh, c'est pas possible. Hop. Quoi? Oh, plus la foudre qui s'y met, mais ça va, oui. Qu'est-ce qu'il a, le chat? Oh, ils m'ont tout pété. Elle veut pas faire ses devoirs, hein. Vraiment, ça, elle a pas envie, hein. Fais tes devoirs. Si vous disputez le temps. Mais elle se fout de ma gueule! Elle se fout de ma gueule! Je lui dis faire ses devoirs et rigole! Je t'ai envoyé casser des cailloux, tu vas pas te marrer longtemps, ma cocotte. Tu me fais tes devoirs. Voilà, c'est très bien, fais tes devoirs. Si tu te vois bouger un petit doigt d'orteil, tant que ça ne soit pas fini, ça va mal se passer pour toi. Hein. Toi, social, c'est une catastrophe. C'est normal, t'es un geek. Allez, t'as fini. Non, t'as pas du tout fini. Quand t'auras fini, t'iras dormir. Voilà, ça te fera du bien. Hop.
Et toi, tu m'écris ton truc, c'est bien, t'en es où? Une chanson ou un sketch? Eh bah tu traînes, GG! Enfin, d'ailleurs, quand t'auras fini, finalement, tu vas me réparer les chiottes, tu vas pas dormir tout de suite. Tu dormiras plus tard, écoute, hein. Ça va, bon, hein. Bah, il faut les faire bosser. Ils bossent pas quand je suis pas là. Donc, voilà. Il y a un moment, faut bien que les choses soient faites. À un moment, quand même, hein. Merci Little Girl pour le follow et bisous mon titi! Allez GG, répare au moins les chiottes. La douche, on peut faire sans et encore. Non mais il est pas si fatigué en vrai. Poupette, elle en est où? Poupette, elle est pas bien loin. Il est fatigué, bah oui. Moi aussi. Bravo Joseph Gaston, va dormir maintenant. Allez au dodo. C'est bien mon grand. Mon social c'est pas fou, hein, mais. Elle a bientôt fini. Hop. Va dormir GG. Va dormir. C'est bon, tu peux là. T'as bien bossé. Ah, je suis contente de toi. Dormir. Elle a bientôt fini ses devoirs. C'est bien. Et elle a nouveau responsable, même si elle a séchouillé. Tu vois, elle a pas séché longtemps. Elle a séché une fois. C'est pas dangereux pour. On peut raconter une histoire au chat, bah pourquoi pas. On lui parle comme ça, on lui raconte notre journée. Oh, tu sais ce qui s'est passé? Je suis allée à la piscine avec les popus. Je fais partie de leur groupe maintenant. J'ai essayé des vêtements pendant très longtemps. Et après, je me suis baignée un peu et on a parlé. Et je pense vraiment que c'est devenu mes meilleures amies. Vraiment, c'est les filles les plus sympas que je connaisse. Elles sont contre un autre groupe de filles, il paraît que c'est des vraies connasses. Mais du coup, on va les bully exprès. Et puis il y a un garçon dans le groupe. Bon, il est un peu plus vieux que moi, mais je crois qu'il me plaît bien. Je sais ce que c'est, l'adolescence. Je sais, je sais. Et tu vas servir le dîner, tiens, parce qu'on n'a plus rien en stock. Ce talent de doublage. Exactement. Ah! J'ai noté faire une photo? Bon, écoute, c'est une belle photo. J'ai pas trop compris l'intérêt de la photo là, mais. Oh, Loki a 24 abonnés! Ah, bah écoute, et les influenceurs animaliers. Qui c'est, Gaïa? Qui c'est? Allez, fais à bouffer. Elle a du mérite, là, elle gère bien. Hein. Bon, après, elle a séché les cours, donc elle a du mérite à moitié quand même. Hein. Peut-être pas déconner quand même, mais. Faut qu'on rencontre Serge. Serge. Mais j'aimerais bien un autre ado, mec. Ah, j'ai pas l'autorisation, moi, d'ajouter quelqu'un. On peut lui envoyer un SMS à 2 h du mat? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que. Et je peux être dans 3 groupes différents. Ouais, je peux être super popu. Allez, ça va au frigo, ça. Mais tu manges pas? Ah non, t'as le chat qui te distrait. Oh, c'est mignon. Donner des bisous spéciaux, je veux pas savoir. Ils sont mignons. C'est une belle relation qu'ils ont quand même. Du coup, bah vu que t'as pas faim, tu vas mettre ça au frais et puis tu vas aller dormir, ma cocotte. Non, d'abord, me nettoyer la litière et après dormir. Super popu, manque que la cave. C'est un demi-mérite, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Tu peux zoomer sur le chat. Joseph Gaston a fait quoi? Joseph Gaston a fait un cauchemar dans lequel il devait faire une présentation sur la réticulation des spleens et n'arrivait pas à réticuler les spleens, tout le monde le montrait du doigt en riant. Oui, non, mais il va s'en remettre, hein. Jeanne Ginette, t'es belle, mais je voulais le chat. Voilà, il est là, le chat. Ah, t'es réveillée? Mais non, mais c'était qu'un cauchemar. Tu veux discuter? Ah oui, bah non, elle va se coucher. C'est triste, mais. Tu veux pas te faire une amie en ligne? Ça serait pas mal, ça, pour toi, ça. Réseau social. Consulter les réseaux sociaux. Ou un petit forum, tu sais.
Discuter. Discuter avec. Ah, regarde! Putain, il connaît du monde! Avec Lola, tiens. C'était l'ado de notre Fifi il y a longtemps. Voilà, discute avec, c'est bien. J'avoue, Loupiote, mais on voit pas assez ses dents pour ça. Là là, Jeanne Ginette fait partie d'un club, quoi. Oh, Loki s'est fait asperger par un putois. Bah, c'est couillon, ça, Loki, hein. Oui, putain, elle est fatiguée, hein. Qui c'est qui va se réveiller en premier? Lui, bah, il va regarder la télé. Non, tu vas peindre, je suis con. Ça rapporte du pognon et puis ça te distraira. C'est très bien. Imagine le groupe des popus, c'est une secte. Mais non. Qu'est-ce que tu fais? Stop! Sermonner. Odysseus qu'elle se réveille. Ah, ça me rappelle mes chats. Tu veux pas aller dormir un moment, toi? En tout cas, niveau social, ça augmente, c'est bien. Et ils discutent tout le temps. Ah oui, il est à fond niveau discussion. Allez, on se réveille. On va se réveiller, Fifi. On va se réveiller. Je sais que t'as encore sommeil, mais tu peux pas tout avoir. Hein. Vas-y, sermonne-le. Et à propos du fait de boire dans une flaque aussi. Et puis caresse-le. Ouais, il a appris à pas faire ses griffes sur le meuble. C'est bien ça. Et il a appris à pas boire dans les flaques. Putain, il reste plus qu'à être ami avec 5 bestioles. Enfin, pas si simple que ça, mais. Vas-y, va bouffer. Lui, il en est où? Oh là là, il a le dalle aussi, lui, hein. Non mais c'est bon niveau social là. Il est pote avec qui d'ailleurs du coup? Ah putain ouais ça a monté de ouf avec Lola! Vous vous rappelez de Lola ou pas? Elle grandit quand jeune Ginette? Oh il y a le time hein. Il y a le time hein. Il reste 9 jours. C'est une éternité dans les Sims. Ils ont cours dans 1 heure. JG Junior, stop le PC là. Va bouffer. T'as raison qu'ils ont fait leur devoir. Où il va? Il mange dehors. D'accord. D'accord. Il n'y a pas de problème. Oula, lui, dans un état, lui aussi. Bon, prendre des restes. Et puis, prendre une douche. Et puis, te divertir. Voilà. Non, pas la télé. On va le faire peindre, plutôt. C'est temps qu'il se réveille. Ariel. Putain, lâche tout. Satoru, il a proposé un rangard. Oui, vas-y, vas-y. Vas-y, je sais pas qui c'est, mais... Jeanne Ginette part à l'école. Gisé, qu'est-ce que tu fous, toi? Mais t'as fini de bouffer, oui. Fraslore, allez, hop. À l'école. C'est bien. Hop. Pourquoi il peut pas peindre? Ah, il est trop tendu. Ah oui, d'accord, donc faut qu'il s'amuse. Ok. Alors, elle, du coup, directement, se faire des amis. Même si elle travaille moins bien. Et lui... Faire le minimum. Merci pour le follow, Yisan. Oui, la fille de la sirène, c'est ça. Allô, Lola, comme un garçon. Allez, divertis-toi là, c'est bien. Comment ça va dans ton club? On a 283 points. Je veux rencontrer Sergio. Ça serait bien que j'allais dire la poufiasse. Que la meneuse invite d'autres personnes. Ça serait cool. Puis qu'on devienne pote avec la meneuse aussi. Ou alors qu'on la dégage et qu'on prenne sa place. J'ai beaucoup trop un côté gossip pour. Jeanne Ginette a rencontré Théo à l'école. Oh! Jeanne Ginette va-t-elle pécho?
Jeanne Ginette commence à avoir une vie sociale d'ado. Hop, social d'ailleurs, en parlant de social, avis de ton ex, toi. Ah, il peut prendre sa retraite! Attends, prendre sa retraite, voilà, parfait. Ah, quoique, non, ça fera plus de pognon. Puis il aime bien bosser. Social, du coup, il voulait inviter ton ex. Invité à venir sur le terrain actuel. Eh boss, shit. Shit. Théo, c'est pas le nom de ton beau-frère. Si. MDR, but de Thibaut, devenir meneuse des popus. Bah en même temps, de toute façon, l'adolescence, ils ont rien à faire. En soi. Donc. Non, non, c'est lui, c'est le frère qui fait le minimum. Et elle se fait des amis. C'est bon. Après, ça serait bien quand même qu'elle arrive à avoir. Ah, mais regarde. Même si elle se foule pas trop, ça va être un peu plus long, mais elle va y arriver, quoi. Qu'est-ce qu'il a, lui? Ah, il est concentré. Oh, il est au boulot! Vas-y, mon GG. Ça, c'est mon GG, ça. Jeanne Ginette a rencontré Jeanne à l'école. Elle connaît du monde, de Jeanne Ginette, là. Oh, notre mère! Oui, c'était l'amour, mais ça ne l'est plus. Hein. Ça ne l'est plus. Ça en est au niveau boulot, GG. Ah, dommage. Il faudrait une autre journée de taf pour avoir une promotion. Oh, Nancy nous amène au. Oh, mais bien sûr! Allons en date avec Nancy. Évidemment! Elle peut être popu et avoir des. Ah, bah on va essayer, hein. On va essayer. Bien évidemment. Merci pour le follow, Océane! Ah, mais là, 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 on s'arrête plus, là. Oh la dégaine qu'on se tape. Salut chérie. Joseph Gaston, il y a eu B. Et les deux enfants ont eu B. Mais sauf qu'ils avancent sur moi là, donc je suis un peu inquiète. Technique de drague. Allez, dans notre tenue magnifique. Baiser suave. Allez. Franchement, j'y crois. Easy avec elle. Même si franchement, elle attend que ça depuis le début. Je suis non sceptique. Enjôleuse, regarde! Non mais Nancy, c'est. Nancy, c'est. Tu vois? Avouer son attirance, mais bien sûr! Non, dégage-toi, dégage, t'es qui toi? PTDR, t'es qui? T'es qui? Un employé, mais dégage! Exactement, dégage. Voilà. Oh là là, comment je dis j'ai, il a fait son bonhomme là! Ce rencard est de mieux en mieux. Mais voilà, et voilà. Je te dis, c'est. Elle, c'est. C'est incroyable. Vraiment, c'est cette meuf, elle adore ce mec. C'est hyper toxique en plus, vu la relation qu'ils ont eue, parce qu'il s'est foutu de sa gueule. Hein. Mais. Ouais, ils sont déjà mariés. Ça va. Et je crois pas, c'est plus s'ils étaient mariés. Ou. Mais non, mais c'est incroyable. Donner des conseils sur les relations. Allez, poussons le culot jusqu'au bout. Je vois quelqu'un. Ah! Bah oui, son ex! Oh, c'est tellement agréable d'être avec quelqu'un à qui je peux parler pendant des heures. Tu penses? Se tenir par la main. Allez. Complimenter l'apparence. Je rappelle quand même que c'est notre ex qui nous a aidé à augmenter notre malice. Hein. Je rappelle ça quand même. Hein. Et c'est la mère de Jeanne Ginette. Ah ouais, mais on a déjà vécu des choses, hein. C'est intense, hein. Allez, embrasser, écoute, ça. C'est pas. Voilà, mais regarde, mais c'est tellement évident, mais c'est abusé. J'ai rien fait. Est-ce que vous avez vu à quel point j'ai rien fait là? C'est vraiment, c'est demander d'être sa petite amie. Allez, 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 allez. Elle voit quelqu'un, mais c'est pas grave. C'est Gigi a toujours été le number one. Bah oui, bien sûr qu'elle dit oui. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est sa meuf. Ah, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça dans les Sims. Hein. Pourtant, Dieu sait que j'ai joué. Hein. Mais. Genre. Une relation comme ça.
Incroyable. Elle est vraiment en son pouvoir, c'est vraiment l'expression, quoi. C'est... À qui on a pris 80 000 simflouzes et on a volé sa gamine? Mais oui! Ah non, non, mais en plus, on l'a vraiment brisé le cœur quand on est parti, quoi. Puis, non, mais... Demander en mariage. Ah, elle est déjà fiancée! C'est si sale! Ça fait deux fois qu'on lui fait le coup. Mais on pourrait déjà lui demander là, vous vous rendez compte? Est-ce qu'on peut baiser quelque part là ou... Attends, il n'y a pas un buisson? Ah, il y a du monde ici. Bah oui, c'est vrai qu'à la base, on faisait un date, hein. C'est... Je sais pas s'il y a un endroit pour baiser dans les chiottes ou... C'est qui? Ça, c'est quelqu'un de mort ou... Ah non, Miko! Putain, la vampire! J'avais oublié, elle. Non, il n'y a pas de toit. Il n'y a, y a, y a pas de moyen de copuler, hein. Il n'y a rien, hein. Il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Bon, je pense que c'est bon, hein. On va pouvoir rentrer là, je veux dire. Attends, j'attends la fin du date. Ça lui fera plus de points. Il n'y a pas un placard, une douche. C'est troisième enfant, compote de pommes. Oh, t'imagines, ils refont un gosse. Oh putain. Non, il n'y a pas de douche, il y a des chiottes. On ne peut pas baiser dans les chiottes. Je regarde au cas où, mais... Il y a une cabine d'essayage. Oh, ce serait génial de pouvoir baisser dans cette pièce. Mais non. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Ah ouais, non, mais grave, Gaillard. Ça va, Thomas Palu? Ok. Ok. Non, mais... Non, mais eux deux, c'est... Je trouve qu'en vrai, dans les Sims, t'as vraiment une alchimie envers certains, des fois. C'est pas pourquoi. En fait, ça sert à rien que je m'en occupe, ils se débrouillent très bien tout seul. Hein. Et la barre d'amour, elle partait de zéro au début du date. Hein. Merci, Miss Morgane! 20e mois d'abonnement, merci beaucoup! Ah, mais c'est... Incroyable! Non, mais eux deux, c'est inexplicable. Juste inexplicable. Je comprends pas. Et ça m'avait fait ça pour une autre Sims qui était en crush sur un mec, j'arrivais pas à lui faire passer à autre chose. Tu parles, il a envie de baiser, bah tu penses. Tu penses qu'il a envie de baiser. Faire craquer. En plus, à chaque fois, c'est avec quelqu'un, lui. Tu sais, c'est pas avec elle, c'est horrible, hein. Si, c'était notre loup dans les contes de fées, où il s'est tapé une vampire. Et ils ont eu une alchimie qui était pas du tout prévue. Je pensais à la base genre qu'ils allaient être potes ou voir pourquoi pas baiser mais voilà et ça arrive des fois tu sais de faire baiser des Sims puis après ils se calculent plus trop voilà ou... mais là ils ont eu une âme sœur machin enfin mais tout de suite quoi donc dans ces cas-là bah qu'est-ce que je fasse j'accepte hein c'est pas qu'est-ce que tu veux faire d'autre ouais papa lui bah non mais là il est content hein il est content mais il est pas... je pense pas que ce soit elle tu vois. Non, il est plus avec Vanessa, je l'étais. Elle l'a lassé. En vrai, il était déprimé pendant 2 jours. Hein. Bon, vu que t'as l'air au taquet, bon, tu vas pisser quand même. Et tu vas te faire une toile enjôleuse. Voilà, très bien. Ils en sont où les enfants? Elle se divertit. Bah, c'est bien. Alors, ça serait bien par contre que tu manges en même temps histoire d'optimiser lui. Non, mais attends, mais toi, arrête avec ton PC, putain. J'ai vraiment l'impression d'être leur daronne, ça me fume. Ah, bah non, mais t'as bouffé à côté en fait. T'as mangé là? Bah, mange. Bah, t'as faim, mais c'est. Oh là là, le bide. Oh! On dirait vraiment il a 60 ans. On dirait vraiment il a 60 ans, ce mec. C'est triste un peu quand même. Alors après, tu vas me faire tes devoirs aussi, hein, parce que je connais mon asticot. Voilà, c'était sûr. Elle, pareil. Moi, elle mange. Mais c'est bien parce qu'elle se divertit en même temps. Elles viennent quoi, les popus? N'a pas de nouvelles. Oh, est-ce qu'on n'inviterait pas la queen des popus? Il est 20 h. Vas-y, on l'invite. Elle arrive. Mmh.
Elle est là. Oh là là, on a la queen des popus. Qu'est-ce que j'ai pas fait mes devoirs, mais c'est pas grave. Pourquoi elle est énervée? Pourquoi elle est énervée? Faire connaissance. Bonjour, reine des popus. Donne une bonne baffe. Non! Pourquoi il est là, notre frère, là? Elle est initiée, je sais pas ce que ça veut dire. Pourquoi il est là, lui? Ah, il est tombé amoureux. Je suis sûre, il est tombé amoureux. On frime avec notre chat. Il est venu faire ses devoirs, là. Jean-Gérard a pas un chef-d'œuvre. Ah, c'est bien, mon grand. Gagne, pense au pognon, hein. 2000 balles, c'est bien. Oh, c'est bien. Ah oui, il faut qu'il se déguise carrément, quoi. Ah ouais. GG, c'est devenu une star. Une star. Tu fais tes devoirs, là, vraiment? Oui, il est en train de les faire, c'est bien. Il est plus sérieux que sa sœur. Ouais, va l'autre. Où elle va? Elle va sur le PC, évidemment, évidemment, évidemment. Où voulais-tu qu'elle aille ailleurs? Minimiser le stress, vas-y. Je sais pas pourquoi elle est stressée, mais... groupe. Parler de du groupe. C'est bien, ça. Où on est notre relationnel? Ah, ça a monté un petit peu. Félicité, c'est important. Mince, j'ai perdu un truc. J'ai perdu un truc, je sais pas ce que j'ai perdu. S'excuser. Oh, on l'a froissé. Bravo, Loki. Il a battu un écureuil. C'est un bon Loki, ça. Ouais, on a fait une poignée de main pas secrète. C'est un peu de l'intérêt, là. Hein. Je ne sais pas trop quoi penser du groupe Les Modèles. Tu crois que les gens aiment la façon dont on gère? Ouais, ouais, on t'adore. On t'adore. Bravo, Joseph Gaston, t'es plus sérieux que ta sœur. Par contre, tu peux arrêter de te planter devant elle, vraiment? C'est... Est-ce qu'on peut dire qu'elle aime la malice? Si tu veux, mais ça m'intéresse pas. C'est pas ouf comme... C'est pas ouf comme acte, comme idée. Ça serait cool qu'elle soit pas joueuse, par contre. Ça m'arrange pas, hein. Attends. Comme l'autre, elle est en train de pisser, il va y aller. Présentation respectueuse. Oh, c'est tellement le cliché genre du geek. Oh non, JG, reviens pas là! Oh là là, l'horreur! On va perdre toute notre popularité! Ah. J'adore ta robe, elle est très belle! Elle a pas l'air de très bien me prendre. T'es très belle! Partager son excitation! Oh oui! Illuminer la journée. C'est pas mal. Il va être plus proche d'elle, t'imagines? Il va être plus proche d'elle que sa sœur, elle l'est. Être obsédé par son jeu vidéo préféré. Ça, c'est bien un truc de geekos. En vrai, ça match bien! Ah, il est trop en charisme! Putain! Raconter une histoire dramatique, why not? Parfois je suis tellement en colère que je ne sais pas quoi faire de moi. Comment je pourrais gérer les choses si je n'arrive même pas à parler à quelqu'un? Du coup, attends, reviens peut-être. Elle est heureuse, attends, c'est peut-être le moment d'augmenter nos. Ça va sur le PC. Elle est belle, cela dit. Hein. Franchement, la reine des popus. On va éliminer sa journée, ça va nous aider à... tu vois.
Complimenter sincèrement. Ça, en vrai, on a un peu monté avec elle, hein. Féliciter. Je sais pas de quoi, mais on félicite. Je sais pas qui a cassé le robinet, mais Gigi va le réparer. Gigi, on a une invitée à la maison! Fais quelque chose! Oh, elle m'a parlé, elle m'a parlé. C'est la femme de ma vie. Je regarde le frigo d'un air désespéré parce que je suis perdue devant tant de beauté. Oh là là, mais Loki, mais... Oh, on se fait une poignée de main ultra secrète, c'est trop bien! Se plaindre de ses parents, on peut se permettre, vu le daron qu'on a. Je pense vraiment qu'on peut se permettre, hein, c'est... Ok, on gagne des points, c'est bien. Enlacée, j'ai peur que ce soit un peu. Jeanne Ginette, elle est sûre d'elle. Non, Snobia. Comment ça s'appelle? Siobhan. Siobhan, elle est sûre d'elle. Ou sans, on serait douté. Kyoksuke. Il est où lui? Ah, il dort toujours. Ah, bah, il est retourné dormir plutôt, oui. Il est où lui? Tiens, va faire pipi. Oh, mais c'est dégueulasse ici, hein. Jeter. D'habitude, il fait jamais le ménage, mais comme là, il y a la popu, il fait l'effort. Bon, maintenant, tu me fais les devoirs, hein? Glanduillette, va. Bon, c'est moi qui t'ai dit de l'inviter, mais passons outre. Ah, sur le lit de ton frère. Ah, oui, mais c'est pas vraiment ce que. Oui, bon. D'accord, bah, il va faire autre chose, c'est pas grave. Dormir, c'est surfait. T'as fait tes devoirs, toi, hein? Oui. Oui, non, il n'y a pas besoin que je te fasse forcément bosser. Bah, tu vas programmer un petit peu? Non, tiens, tu vas parler avec ton réseau social. Non. Discuter avec Lola. C'est notre meilleure pote qui tombe amoureuse de nous, sauf que là, maintenant, on est amoureux de la meuf. Il s'en passe des choses. Il s'en passe des choses dans la vie d'un ado. Faut pas croire. C'est dense. Eh, qui c'est, Gaïa? Qui c'est? Ah, il parle de ses sentiments. Oh! Petit bouge, bouge! Alors, attends, par contre, elle en est où, elle, niveau caractère? Non, parce que. Manière, responsabilité, on est toujours. Oh là, contrôle des émotions, c'est pas fifou. Par contre, empathie, on est pas mal. Résolution de conflit, on n'est pas si mal non plus. C'est surtout contrôle des émotions ou. Courir pour se vider l'esprit. Ah oui, on va pas aller loin avec ça. Je vais lui faire écrire dans son journal. Ça va peut-être l'aider. Dessin de la licorne à côté du PC, oui. Ils ont encore leur truc de quand ils étaient petits. Bravo, jeune Ginette! Elle a fini ses devoirs. Elle n'arrive pas à trouver une table pour faire son activité. Ah oui, il y a ça encore. Attends, bah tu sais quoi, débarrasse la table. Et ça aussi. Et vas-y. Ah, il y a. Mais vraiment? Il y a une table et une chaise ici, ça te va pas ça? Oh la relou! Vas-y, attends. J'ai compris. Je vais reprendre ça. De toute façon, après tout, à la base, JG Père, il avait un truc aussi, hein. Voilà. Faut juste que le PC, il a changé de bord, quoi, mais. Vas-y. Mais sorcière, j'aimerais bien qu'elle y arrive, mais... Est-ce que les clubs, on reste dedans quand on grandit ou pas? Ah, ça augmente son contrôle des émotions. Il est 4h du mat. Oh là 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 là. Puis la maison est dans un état. Oh là 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 là. Rien ne va. Contrôle des émotions, du coup, c'est mieux. Ouais, ça, c'est moins pire, on va dire. C'est pas ouf encore, hein. Merci pour le follow, G-Claws!
Attends, mais lui, il dort pas non plus. Shit, j'ai oublié de le faire dormir. Ah non, mon projet universitaire. Va prendre une douche et puis va dormir. Oh là 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 là. On n'est pas aidé quand même. On n'est pas aidé, hein. C'est. Oh là 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 là. Elle va jamais avoir le temps de tout faire avant d'aller à l'école. Bon, après, l'école, c'est un peu surfait, hein, mais. Quand même. Énergie, hygiène, rien ne va. Prendre une douche. Et faire une sieste? À l'école dans 2 heures, donc. Ça va être compliqué, hein. Dans 1 heure. Là 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 là! Allez, on va à l'école. GG, debout. GG, fils. Bon, les deux ont besoin de se divertir. Mais en soi, c'est pas non plus la grosse piquette, quoi. Hop, ça, tu vends ça. Ça, tu nettoies. Nancy nous appelle. Oui, non, mais ça va. Non, tu viens. C'est quoi, tu viens, toi? D'accord, on va faire ça. Viens à la maison. Nancy, voilà. Elle nous invite. Elle est mignonne, elle nous propose des dates, mais. Tu peux l'emmener chez les sorciers. Oui, il faudrait que je le fasse. Je pense que je le ferai quand je la ferai partir de la maison. Je sais pas si ado. J'ai entendu dire que tu fréquentais Nancy. Félicitations pour ta petite amie. Notre deuxième meuf nous félicite de fréquenter notre première meuf à nouveau. Je ne peux qu'imaginer une certaine ironie dans le ton. Hein? Voilà. Je présume que c'est un peu genre. Ah ouais? Ah bah félicitations, hein! Et lui, il fait le minimum, voilà. C'est pas des gros gros bosseurs, hein. Voilà, comme ça il va pouvoir baiser. Il est tendu, pourquoi il est tendu? Parce qu'il travaille pas, ah bah oui. Ah bah oui, tu penses. Mais tu bosses dans 3 heures. Ah oui, ça va être rapide. Embrasser, voilà, ça va lui faire un petit bisou, ça va lui faire du bien. T'as pas dit bisou? T'as pas fait bisou? Ah oui, déjà enjôleuse. Ah oui, bah, même pas le temps de dormir, quoi. Tiens, tu sais quoi, elle va baiser. Elle va faire crac-crac. Jeanne Ginette a rencontré Shigeru à l'école, c'est bien. Ariel. Alika et moi envisageons de passer du temps. Mais vas-y, putain, mais à l'aise. Ariel, elle se tape tout le monde. Ariel, c'est. Allez, va faire crac-crac. Elle a pas du tout faire crac-crac. Fais crac-crac. Il bosse ou pas? Dans 2 heures, t'as le temps! Jeanne Ginette a rencontré Lola. Bah, c'est très bien. C'est la meuf qui parle avec son frère, c'est bien. Jeanne Ginette a rencontré tout le monde. C'est ça, Gaïa, de ouf. Allez! Voilà, c'est très bien. Ça va mettre de bonne humeur. Qu'est-ce que vous. Bah, il va y aller, bien sûr. Il va y aller, bien entendu qu'il va y aller. Il aura fini de baiser d'ici 1 heure. Voilà, tu vois. Qu'est-ce que tu fais? Tu manges? Ah non, il me vide. C'est bien. Tu peux t'en aller, madame. Elle a rencontré. Putain, elle rencontre plein de mecs, jeune Ginette. Arrête. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Tu te souviens qu'on avait parlé de Satoru Yamada? J'ai eu un date, c'était super sympa. C'est très cool. J'en ai rien à foutre. Vraiment, rien à foutre, quoi. Raf, comme qui dirait quoi. Conseils amicaux. Ah bah oui, là oui, on a un rôle de conseil. Conseil, quoi, c'est. On est à fond, hein. Ça doit être ça, Prince, ça, ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il boit. Non. Vas-y, va dehors. Vas-y, va bosser, va bosser. Allez, mes enfants, j'aimerais bien que Petiot ait un nouveau truc avec ses copains. Oh là, le divertissement. Ouais, invite, invite. Ouais, bravo! Le garçon a une bonne note, par contre, elle, non. Bah lui, il a du sommeil, donc. De toute façon, c'est le week-end, donc là, on est tranquille. Elle a invité sa pote. Faire connaissance. Alors, attends, on va clairement. Déjà, faut qu'on. Allez, elle a l'air cool, hein? Mais elle fait pas partie de notre club. Après, c'est le divertissement ou c'est la piquette là, c'est pas allumer, mais une ambiance de carnaval, voilà. Est-ce qu'on peut faire danser?
Voilà, danser. Ça augmente le divertissement. Oui, très bien. Est-ce que je pourrais inviter... Où elle va? Ah non, c'est bon. Est-ce que je pourrais inviter notre groupe? Tout groupe réuni sera séparé si vous commencez une nouvelle réunion. On peut faire une réunion de groupe. On va au bain. Est-ce que ça va me distraire le bain? Je suis pas sûre, hein. Ah, ils sont... Oh là là, ils viennent chez moi! Oh là là, cette pression, mais j'ai pas tout préparé. Et j'ai pas de cafetière. Ah si, j'ai une cafetière. J'ai une cafetière. Oh là là, ils sont tous à la maison. Attends, je débarrasse vite, il y a un verre qui traîne. Mon frère dort, donc en soi... La première, elle a fait du café direct. Par contre, il manque des gens, non? Mais venez les meufs! Bah oui, restez pas dehors! Mais reste pas là, meuf! Viens! Voilà, bah oui, elle a eu peur, la poupette! Attends, il y a le gars. Proposer un plan fou. C'est bien ça, ça fait Jones. Qu'est-ce que tu fais debout, toi? Non. Ah, tu veux faire à manger? Ok, bah fais à manger. Pour tout le monde alors, hein. Fais pas ton crevard, hein. On va éviter de se renseigner sur comment faire crac-crac avec le mec, hein. Bravo JG, t'as été promu. Alors, vas-y. Oui, il y a du monde chez toi, je sais, ça fait bizarre. Attends, il faut que tu fasses une critique. Alors attends. Écrire un article. Vas-y, va écrire un article, c'est très bien. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Attends. Lui, il fait à manger. Tu fais à manger pour tout le monde, j'espère. Vraiment, impressionne ta meuf, hein. Enfin ta future, ton potentiel. Qu'est-ce que je peux discuter avec lui? Complimenter sincèrement. Oh, JG, tu m'affiches. T'es censé écrire un article. Qu'est-ce que tu gênes, là? Oh, va écrire ton article. Il l'a pas déjà écrit, quand même. Ben non, il l'a même pas commencé. Quel glandu. Merci pour follow que note. Mais arrête de t'intégrer. T'es en mini-short et pantalon dégueulasse. Oh, il a fait à manger pour tout le monde. Ça, c'est sympa, par contre. Ça, c'est sympa. Ah oui, donc c'est la teuf, là, en fait. C'est... Waouh, on est dans un état. Il va pas y avoir assez à bouffer pour tout le monde, hein. Ah, elle est en chaleur, je crois. On a tous à bouffer. C'est... Qu'est-ce qu'elle fout, là, elle, encore? On n'est pas aidé, on n'est vraiment pas aidé. Elle est pas censée... Elle est pas censée être là, hein. Je... Dégage. Pourquoi elle s'en va pas? Pourquoi elle est là? Allez, faire crac-crac dans la douche. Allez, et franchement, il baisse dans la douche pendant qu'il y a les ados dans le salon. Famille, problématique ou pas? Oh, on veut des problèmes. On veut des problèmes. Elle est crevée. Bah oui, elle est crevée. Qui c'est qui appelle? Non, mais laisse tomber, t'es plus dans ma vie, toi. Il faut que t'ailles dormir. Vas-y, va dormir. Elle cause trop, mais elle est épuisée. Et elle a pas fait ses devoirs, c'est une catastrophe. Ah, le téléphone. Ah non, c'est trop tard, c'est fini. Elle aurait besoin de se divertir, mais je peux pas la faire danser.
En tout cas, au niveau vie sociale, elle est bien, hein. Ah, elle augmente son contrôle des émotions, c'est bien ça. Je crois que tu vas aller dormir, hein. Ça va être compliqué là. Ouais, elle va se coucher, elle va se coucher. On les garde, allez. Oh là là, mais la soirée, il y a des assiettes partout. Oh, c'est vrai que c'est le week-end. C'est vrai que c'est le week-end. C'est vrai que c'est le week-end. En soi, Gigi, t'as pas du tout fait ton article, Gigi. Ah si, j'ai rien dit, il l'a fait. J'ai rien dit, bravo Gigi. Ils m'ont retourné la baraque, ils m'ont retourné la baraque. Oh, il y a des ados à la maison, quoi. Et ils sont allés dormir, mes gamins, mais non. Oh là 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 là. Et puis ils boivent du café, bien entendu. Bien entendu. On a repris des points de groupe, par contre, hein. On a repris des points. Bah, je peux mettre... On va peut-être mettre fin à la réunion, là, hein. Peut-être temps. Du coup, attends, j'ai plein de points. En vrai... On peut faire une poignée de main spéciale. Et après, ça apporte un spécial, faire une poignée de main. En vrai. Nancy qui est là, je sais pas ce qu'elle fout là, Nancy. Hein. Ça sert à rien d'augmenter, pour le moment, on n'est pas plus. Bonus sociaux. Améliore vos chances d'utiliser un truc romantique. Ouais, mais il n'y a qu'un mec pour le moment, et les meufs, j'ai pas envie de les choper, tu vois. Donc, bof, bof. Accélération, je pourrais augmenter un truc ici. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend un peu? Bah après, en même temps, il n'y a pas besoin d'attendre beaucoup plus. Hein. Ambiance de groupe, on a déjà un jour l'air. Après, c'est pas un groupe, c'est un groupe populaire, quoi. C'est pas un groupe... Bah allez, on va prendre celui-là. On augmente les facultés sociales, ça fera pas de mal. Mais c'est un groupe popu, c'est pas un groupe où je veux voir monter les qualités, quoi. C'est pas... Bon, du coup, vous... du coup, ils ont plus à bouffer. GG, il a fait la vaisselle, hein. Je suis fière, hein. En vrai. Merci, Killname, pour ton reseb. Hola, que tal? Eh ben, tout va bien. Je crois que la chatoune, elle a envie de baiser. Oui, elle est en chaleur. Mais je sais pas comment on peut gérer ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Vas-y, interrompons-nous la chatoune. Oh putain, belle assiette. Explique-nous. Semble avoir besoin d'attention. Oh, elle veut des câlins. Bah oui, mais... Gigi, de base, les chats, ils s'en foutent, lui. Hein. Bon, d'accord, d'accord, d'accord. Non, mais il n'y a pas que des câlins, là. Il n'y a pas que les câlins, là. Elle veut baiser, la chatou. On va dire qu'il est un peu gaga. Voilà, c'est... Ils sont devenus amis, c'est bien. Je sais pas comment on organise pour qu'il y ait une saillie. Oh, le miaulement. Ah bah, il était en cassant, là. Allez, va dormir, Gigi. Elle m'a pas fait ses devoirs. Oh, mais c'est bon, il y a le week-end. Ça va. Divertissement, faut que ça monte, tout ça, hein. Ah, lui, il est bientôt réveillé, c'est très bien, il va faire ses devoirs. N'est-ce pas, Lily Cornard, n'est-ce pas? Ah non, mais j'avoue, JG, il fait craquer même les chats, quoi. Bah, regarde, d'ailleurs, elle dort avec. Hein. Oh, la relou. J'ai l'impression que c'est mes chats, moi. Au secours. Ah non, mais...
La magie de JG. C'est. Bah, en soi. Putain, en vrai, elle va être encore ado un moment. Manière, responsabilité. J'aimerais bien réussir à augmenter encore ça. Comme ça lui fera plein de traits quand elle va grandir. Ça serait cool. Je sais pas comment on fait pour qu'il. Elle lui tire plus près du lit. Oui, bah elle est habituée maintenant, hein. Elle le fera au réveil. Et ça fait 1h40, je vais peut-être m'arrêter. Oh! En plus, tout le monde dort. C'est bien de s'arrêter quand tout le monde dort. Comme ça, t'es pas paumé quand ça reprend. Ça, c'est pas con. Alors, ce qu'il y a à retenir aujourd'hui, c'est clairement les clubs. Vraiment, je sais pas comment j'ai pu vivre sans. C'est la meilleure chose. Cela nous demande du travail d'être aussi beau. La perfection n'est pas facile, mais tout le monde a besoin de quelqu'un à admirer. C'est pour cela que les modèles existent. Oh, on est vraiment dans le groupe des enfoirés, quoi. Oh, c'est chaud. Mais on est dedans, quoi. Et juste parce qu'on est belle. Et on est d'accord. C'est clairement notre place, quoi. Ça, c'est quoi? Gestionnaire de groupe. Ah oui, il y a tout ça comme groupe qui existe. Et on peut en créer un. Waouh. Mais c'est fou. Attends, je suis juste curieuse. Genre, les nains de jardin, ceux qui sont fans du jardinage, ils ressemblent à quoi? Ah ouais. Ah bah oui, t'es pas obligé de faire des groupes avec des ados en fait, je suis con. Bah oui, non, c'est. Les rebelles, oui, ça, oui. Oh, Wolfgang est pas mal. Et du coup, t'es pas obligé de faire des ados, quoi. Tu peux faire vraiment. Le pire, c'est qu'elle a rien fait pour y entrer, c'est tomber du ciel comme ça. Mais oui, il n'y a pas de club qui... Witchy Vibes. Non, mais on pourra en faire un. Et on pourra en faire un, sauf que pour le moment, il n'y a pas de Witchy, quoi. Mais je pense que de toute façon, la jeune Ginette, elle va. Je vous dis, elle va rester longtemps. À mon avis, comme ça serait une sorcière, ça serait pas déconnant de la faire rajeunir tout le temps, donc. Elle va vivre beaucoup de choses, à mon avis, jeune Ginette. Elle va nous faire rêver pendant longtemps. Hein. Du coup, mes enfants, on s'arrête là. Si vous ne l'avez pas vu, une vidéo est sortie cet après-midi à 14h pour le défi des artistes et je vous ai donné le nouveau thème pour le mois, du coup, de mars-avril. On se retrouve, nous, demain en stream ciné à 20h30 pour le film sur Twitch en direct de la semaine. Je vous fais plein de poutous. J'ai passé un super moment, je me suis éclatée, j'ai pas du tout vu le temps passer comme d'habitude. Je vous souhaite une très belle soirée et bah, je vous aime très très fort. Et merci pour ce bon moment. Et t'inquiète, Scorpion, ça arrive, ça arrive. T'arriveras la prochaine fois plus tôt.